Il fait maintenant Monsieur Monto. On est dans les étoiles. Et ça va s'appeler Au Firmament. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Aïfé. Bonsoir tout le monde. C'est en costume d'Adam que pour la première fois je fus placé dans tes bras. Merci grand Dieu, pour moi tu as fait le meilleur des choix. Pendant 9 mois, à chacun de tes pas, diastole, systole, je ressentais tout ça. La chaleur de ton sang m'a élevé de plusieurs rangs. Entre toi et moi, je sais qu'on se comprend. Je te salue, maman, pleine de race. Tu as fait de moi l'égal de Léonidas. À la tête de mes 300, rien n'égale mon audace. Ton amour autour de moi a formé une cuirasse. Tu n'as pas volontairement interrompu ta grossesse. Pour cette chance, je te remercierai sans cesse. Je te rebâtirai des Égyptes avec la fougue de Ramsès. Seulement, j'y ajouterai quelques gouttes de sagesse. Mère, voilà ton fils. Ton plus grand sacrifice. Mère, voilà ton fils, ton plus grand sacrifice. Merci. Mesdames et messieurs, Aïfé, encore une fois, sous vos applaudissements. Mais vraiment, hein, à la sortie là, du stadium, je vais te rebâtir des Égyptes avec la foudre de Ramsès. Ça ne te rappelle pas Villard-Denis d'Avertige? Ouais. Loma Barigor. La ville que j'ai créée pour toi en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Et enfin... À partir de ce référent-là, on peut demander à Audric qu'est-ce qu'il a pensé de Au Firmament. Audric qui connaît les étoiles. Ouais. Au Firmament, c'est bon. Au Firmament, c'est son texte qui est bien construit, lié avec un pile effet spéciaux de la littérature là-dedans. Et un pile image. Et puis, j'ai apprécié Jean que. Et Aïfé, je t'ai présenté là, j'ai martelé les mots. Même pas qu'on est sacrivé, monsieur, là, il est bloqué dans mon texte là. Mais ça arrivait des trous, c'est des bails qui arrivaient. Mais quand même, c'est déjà une belle expérience avec Mosso que il avait présenté nous. Hein. Mm-hmm. Son texte assez envoûtant, je pense. Voilà. Merci beaucoup, Audric. Audric Joseph, Aïfé, Au Firmament. Malheureusement, des fois, la mémoire nous fait des trous. Oui, oui.